Autour de moi, y'a de la violence, mais aussi de belles initiatives. Des gens qui s'aident et s'organisent par des actions caritatives. Y'a des pensées positives, une grosse envie de changement. Des personnes qui ne visent pas que les bénéfices de rendement. On tend la main gratuitement, on t'accueille à bras ouverts. Toujours prêt à rendre service, la méchanceté ça m'a saoulé. Je préfère être bénéfique que faire le mal et en périr. Je les vois tous se faire la guerre, mais à quoi bon se renchérir. Je suis dévoué à faire le bien autour de moi, je suis optimiste. Je suis pas méchant, je vis en paix, vous pouvez le dire à vos ministres. J'ironie, j'aime rigoler, ils pourront pas nous empêcher d'être heureux et solidaires dans la misère, de s'entraider. Parce que le bonheur se partage, quand je peux j'en distribue. Je rends service avec plaisir ou j'aide un pote quand il tribue. Je contribue tant bien que mal à égayer la vie des miens. Je garde la pêche, faut essayer d'être positif, ravi d'un rien. Tel est l'état d'esprit. Dans ce monde agressif, positif. Ils nous veulent asservis, mais on reste insoumis, on réfléchit, le bonheur est accessible. Positif. Tel est l'état d'esprit. Positif. Dans ce monde agressif, positif. Ils nous veulent asservis, mais on reste insoumis, on réfléchit, le bonheur est accessible. L'homme n'est ni bon ni mauvais, chaque jour il fait des choix. Ne se définit pas par les autres, chaque jour il les déçoit. Peu importe les critiques, les bassesses, les cicatrices, il avance en sachant que seuls décident son libre arbitre. Partant de ce constat, il se demande pourquoi on se tape pour les intérêts de cette nouvelle Cosa Nostra. Donc il cherche à changer le système ou s'en extraire. Changer le monde ou en bâtir un moins extrême. À quoi sert-on, je me le demande quand je vois comment certains finissent entre bastons et guerres de gang. Je me dis que le mal est infini. Quel est le but de notre vie? Je m'interroge, qu'on me le dise. Dites-moi pourquoi l'homme est capable de faire meilleur tout comme le pire. C'est incroyable, oui c'est vrai, tout l'amour qu'on peut donner. Notre cœur n'a pas de limite, mis à part celle que l'on se met. Faut consommer les bons moments et regarder les bons côtés. Ça fait du bien d'avoir des potes qui sont là pour te réconforter. Tel est l'état d'esprit. Positif. Dans ce monde agressif. Positif. Ils nous veulent asservis, mais on reste insoumis, on réfléchit, le bonheur est accessible. Positif. Tel est l'état d'esprit. Positif. Dans ce monde agressif. Positif. Ils nous veulent asservis, mais on reste insoumis, on réfléchit, le bonheur est accessible. Quand je me demande quel est le but de notre existence ici, pourquoi cette haine infinie et ces guerres infanticides, je repense à ce que l'humanité peut faire de mieux, loin des rivalités des mafieux de leur ère de jeu. Je vois des cœurs nobles, du partage, des intentions pures. Oui, ça existe encore et encore plus quand les temps sont durs. Les gens débordent de ressources avec la volonté de changer l'époque. Des vrais projets porteurs mais qui ne cessent de se manger des portes. Persévérance, patience et constance dans la droiture. On avance en confiance et du bon sens dans nos ratures. Je donne mon sourire, j'entretiens la positivité. Mais on cherche à se nuire, on n'avance pas, c'est l'immobilité. Pourtant je garde la confiance, le mal ne vient que d'une poignée d'hommes. L'ego trip, c'est du passé, donc MC n'en fait pas des tonnes. C'est pas encore trop tard, tu comprends pas, c'est bien dommage. Il suffira d'une étincelle pour que l'onde du changement se propage. Tel est l'état d'esprit. Dans ce monde agressif. Ils nous veulent asservis, mais on reste insoumis, on réfléchit, le bonheur est accessible. Tel est l'état d'esprit. Dans ce monde agressif. Ils nous veulent asservis, mais on reste insoumis, on réfléchit, le bonheur est accessible.